Greetings, assalamu alaikum, welcome. My name is Chris Abani. I'm the director of the Program of African Studies at Northwestern University. I'd like to welcome you all to the second event of African Heritage in Dialogue. Northwestern University's Program of African Studies and the Block Museum of Art are proud to partner on African Heritage in Dialogue, an ongoing platform intended to promote, celebrate, and enable exchange with cultural heritage professionals working on the African country, on the African continent. I should know this, I'm Nigerian. This partnership responds to the Program of African Studies' unique legacy as the oldest formally established program of African studies in the nation, and the Block's commitment to including African art, artists, and visual culture in its globally focused program. We've been brought together because of our amazing exhibition organized, in fact, by one of our hosts, Kathleen Bickford-Berzerk, who is the Associate Director of Curatorial Affairs at the Block Museum. It's called Caravans of Gold, Fragment in Time, one of the most innovative and interesting exhibitions to be mounted in recent times. So today, I want to also welcome both of our hosts, Kathleen Bickford-Berzerk, who, as I said, is Associate Director of Curatorial Affairs at the Block Museum, and Amanda Logan, Archaeologist and Professor of Anthropology here at Northwestern University. As in all things African-oriented, community is important, and we owe gratitude to the extended community that have supported us in this effort, amongst whom are the wonderful panelists we have gathered here today. Dr. Daouda Keita, the director of the Museum National de Mali in Bamako. Dr. Baba Koulibaly, the director of the Institute of Human Sciences in Bamako. Dr. Moulay Koulibaly, the director, Direction Nationale du Patrimoine Culturel Bamako. And Dr. Mohamed Diagate, the director, Institut de Hautes Études de Researches Islamiques Ahmed Baba in Timbuktu. As you can see, being a former British colonial, my French is terrible. I would also like to thank the wonderful staff at Northwestern's IT who are helping us, and all the staff at the Program of African Studies. And also, we have to acknowledge our partners at Northwestern Buffett's Institute of Global Affairs, who helped fund this through their Global Connection Seed Grant and the amazing American Embassy in Bamako, for their support with hosting this program on the Bamako side of the event. Without their special help, we could not have pulled this off. I welcome you all, and I hand you over to the competent, amazing hosting skills of Kathleen and Amanda, and I hope you enjoy this wonderful, wonderful event. Thank you very much. Thank you so much, Chris, and welcome to our esteemed guests. So we want to welcome also our listeners to the second in a series of virtual programs that, as Chris has let you know, are called African Heritage in Dialogue. The idea for this series emerged from the complex reality that we now find ourselves in, as much of the globe is struggling with the COVID-19 pandemic, and which is affecting both our personal and our professional lives. At the same time, the pandemic is urging us all to explore and collaborate in non-traditional ways and to check in with one another wherever we may be. In Nigeria, Mali, and Morocco. Across these different contexts, we will has impacted archaeological and museums work, from closing excavations and exhibitions in the short term to undermining the financial feasibility of our work in the longer term. Woven through these pandemic concerns are larger conversations about the inequalities that thread throughout the cultural heritage sector, where issues of repatriation are now reaching their crescendo as the Black Lives Matter movement demands a more equitable future. We hope to explore these global issues as well as how they intersect with local and national politics partnerships. So for our 2021 series, we will look ahead by following up with partners crucial to the success of the award-winning exhibition, Caravans of Gold, Fragments in Time, Medieval Saharan Africa. Dr. Kathleen Bickford-Berzerk, Associate Director of Curatorial Affairs at Northwestern University's Block Museum. We seek to follow up on the important international partnerships with institutions and archaeologists that were fundamental to its success. A point of sorts, more sustainable collaborations in this new virtual environment as well.
I'm Dr. Amanda Logan, Associate Professor of Anthropology at Northwestern University and Specialist in West African Archaeology. And I'll be hosting today's event in collaboration with Kathleen, to whom I now turn to introduce the specifics of today's program. Thank you, Amanda. Today's African Heritage in Dialogue conversation will focus on the intersection of the museum sector and archaeology in Mali. It's a pleasure and an honor to introduce our guests for this conversation, Dr. Baba Koulibaly, Director of the Institut de Sciences Humaines in Mali, Dr. Moulay Koulibaly, Director of the Direction Nationale du Patrimoine Culturel, Dr. Mohamed Diagate, Director of the Institut des Hautes Études et de Recherche Islamique, Ahmed Baba, and Dr. Dauda Keita, Director of the Musée National du Mali. As my colleagues have said, the exhibition Caravans of Gold, Fragments in Time is going to provide a wide view for this conversation, or is going to give us an entree point for this conversation. The exhibition provides a wide view of the impact of exchange and circulation from the perspective of the Sahara. The exhibition presents diverse archaeological remains from two key sites in Mali, Gao and Tadmeka. These are presented as case studies. Additionally, the exhibition places a variety of works of cultural patrimony, including ancient terracotta figures and textiles, and historic manuscripts within the broader context of cultural and economic exchange. Doctors Baba Koulibaly, Moulay Koulibaly, Dauda Keita, and Mohamed Diagate each played an indispensable role in making this possible. While Doctors Moulay Koulibaly and Dauda Keita trained as archaeologists, Dr. Baba Koulibaly's training is in geography, and Dr. Diagate is a scholar of Islamic learning and writing. The backgrounds of our guests today represent an important tenet of the curatorial methodology that underlies Caravans of Gold. The collaboration across areas of expertise that's essential for understanding complex histories and making them visible to audiences and museums. We're thrilled to have this opportunity to catch up with all four of our guests today. So to begin, could we go around and have each of you introduce yourself, your position, and your background to our audience briefly? Dr. Keita, let's start with you. D'accord, merci beaucoup. Je suis Dauda Keita. Je suis actuellement le directeur du Musée national du Mali. J'ai fait des études d'archéologie à Leningrad, ex-URSS, où j'ai obtenu un master en archéologie. Ensuite, je suis allé faire ma thèse de doctorat à Paris 10 Nanterre. Donc, j'enseigne à l'université depuis 2001. J'enseigne l'archéologie, la préhistoire, l'ethnoarchéologie et le patrimoine. Et donc, il y a 2 ans, je suis devenu le directeur du Musée national du Mali. Donc, en tant qu'archéologue, comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu à travailler sur beaucoup de terrains au Mali. Et ici, on travaille sur toutes les époques, parce que quand on commence à fouiller, donc on ne sait pas ce qui se trouve enfoui sous le sol. Donc, toutes les périodes archéologiques que nous trouvons, nous les fouillons. Mais je suis spécialiste de la proto-histoire. Merci. Thank you. Dr. Moulay Koulibaly, how about you? OK. Merci beaucoup. Je suis Moulay Koulibaly. Je suis actuellement le directeur national du patrimoine culturel du Mali, ministère de la Culture, bien sûr. J'ai fait mes études à Saint-Pétersbourg, à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, avec Dauda Keita. On était dans la même université. J'ai fait socio-anthropologie. Je suis conservateur du patrimoine culturel actuellement. Je veux dire, toutes les activités qui concourent à la conservation, à la gestion et à la promotion du patrimoine culturel national en termes de protection juridique et en termes de protection physique. Et
Actuellement, nous sommes en train de mener des inventaires du patrimoine culturel à l'intérieur du pays et aussi réaliser des projets de promotion de ce patrimoine culturel. Nous avons mené beaucoup d'inventaires à travers le pays, des inventaires dans les communes, dans les régions, et aussi des projets de réhabilitation du patrimoine culturel sont en cours et des supports de sensibilisation aussi à la lutte contre le pillage et le trafic illicite sont en cours. Donc, nous gérons aussi des projets culturels. Aujourd'hui, dans ma direction, nous avons plusieurs spécialités concernées par la gestion du patrimoine culturel, des spécialités comme l'art des archéologues, des géographes, des urbanistes, des socio-anthropologues, des animateurs socio-culturels, etc., etc. Merci. Thank you, Dr. Kulivelli. Can we hear from Dr. Diagate now? Bonsoir, je suis Mohamed Diagate, directeur de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, donc directeur depuis 2 ans. Et j'ai fait mes études à Tunis, en Tunisie, où j'ai obtenu ma thèse en sciences islamiques. Donc, nous nous occupons surtout de conservation des manuscrits anciens. Et comme vous savez, l'Institut est le plus grand centre de dépôt des manuscrits en Afrique noire, si vous voulez. Et nous avons à peu près 40 000 manuscrits. Et ce que nous faisons, quand je dis conservation, c'est par conservation physique, conservation numérique, et bien sûr les catalogages aussi pour permettre aux chercheurs d'accéder facilement à ces manuscrits. Et il y a 2 ans aussi, nous avons commencé l'enseignement axé sur ces manuscrits concernant la codicologie, la conservation physique et la conservation numérique. Donc, bien sûr, comme vous savez, avec la crise, nous avons une antenne à Bamako, mais quand même notre siège est à Tombouctou, là où nous faisons des études, qui a commencé depuis 2 ans. Merci beaucoup. Thank you. And Dr. Baba Kulibaly. Bonjour. Je m'appelle Baba Kulibaly. Je suis géographe de formation. Et après avoir obtenu un master à l'Université de Bamako, j'ai poursuivi mes études en France à Aix-Marseille Université, où j'ai obtenu un doctorat et sur la problématique de la gestion des ressources en eau au Niger. Et bien entendu, après cette formation, je suis rentré à l'université pour enseigner et en même temps, je faisais de la recherche à l'Institut des sciences humaines. Et depuis 2 ans également, j'ai été nommé directeur général de cette institution qui a pour mission essentiellement d'approfondir des connaissances dans le domaine des sciences sociales et humaines. Et donc, toutes les disciplines comme l'archéologie, comme l'anthropologie, la sociologie, la linguistique, etc., sont concernées. Et nous faisons beaucoup d'appui à la formation des étudiants également. Et surtout, nous contribuons à la collecte et à la conservation et à la diffusion des résultats de la recherche, notamment sur le patrimoine, et en lien avec les institutions celles qui sont représentées ici, comme la DNPC, comme le Musée national, comme l'Institut Ahmed Baba. Et donc, notre institution, en tant qu'institution de recherche, travaille globalement sur toutes les questions transversales de société, hein, notamment sur la question culturelle. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre plusieurs programmes depuis une vingtaine d'années sur la pauvreté, par exemple, sur la réforme de la décentralisation, par exemple, et sur des recherches archéologiques. Je rappelle que nous avons été jusque-là une entité importante d'archéologie au Mali et jusqu'à la création de l'université. Et
Ces programmes étant bien entendu clôturés, il y a 3 ans, nous avons développé de nouveaux programmes sur, par exemple, l'orpaillage au Mali, l'approche socio-anthropologique, pour voir les effets sociaux, les effets économiques de cette activité. Aussi, la question foncière à l'Office du Niger et la mutation sociale dans ce pôle de développement très important pour le Mali. Je rappelle également que l'Institut des sciences humaines a contribué à toutes les recherches dont vous avez parlé tantôt, à Essouk, à Gao, etc. Et c'était vraiment des zones de prédilection de l'institution pour ces recherches. Mais actuellement, avec la situation, la crise sécuritaire, la crise, on dirait aussi, de la pandémie, l'institution, l'ISH, a orienté ses recherches archéologiques vers le sud présentement, donc dans ce qu'on appelle le Mandé au Mali ici. Donc, pour terminer, il y a 2 autres programmes très importants sur la culture comme ressource pour la réconciliation nationale et une interrogation des perspectives à partir des cas maliens, et aussi le conflit et le mouvement des populations. Donc, voilà en gros ce que nous sommes en train de faire actuellement à l'Institut des sciences humaines. Et je termine pour dire que nous avons été heureux de participer et de contribuer à cette exposition en lien avec le Bloc Museum il y a 2 ans. Merci. Kathleen, why don't you go ahead with the COVID-19 question, because I think we've heard a great background of all of the work of these important cultural institutions. Great, thanks, Amanda. So, as you all know, the opening of Caravans of Gold at the Smithsonian has been postponed due to COVID-19. And this is an issue that's impacting museums and cultural institutions around the world. Dr. Keita, as the director of the National Museum of Mali, how has COVID-19 impacted your museum's work? Have the galleries been open? And, has research and collaboration continued? Can you just talk a little bit about the impact of the pandemic at the National Museum? Merci beaucoup. Le COVID, mais en fait, moi, je l'appelle le mal du siècle. Parce que c'est un mal qui a touché tout le monde à la fois. Donc, ce mal ne connaît pas de pauvres ni de riches, et il sévit partout. Donc, le Mali a été durement frappé par cette crise. Et avant la pandémie, nous avons déjà une crise depuis 2012. Donc, cette crise avait dangereusement affecté tous les secteurs du patrimoine culturel. Et le musée n'a pas fait exception. Parce qu'avec la crise, on a vu que les statistiques de fréquentation du musée ont chuté drastiquement. C'est ainsi qu'en 2011, on a enregistré plus de 31 000 visiteurs au musée. Et ce chiffre a drastiquement chuté à partir de 2012. En 2019, on avait 18 000 visiteurs. Et crise COVID oblige, en 2020, on n'a eu que 8 000 visiteurs au musée. Donc, c'est pour vous dire que le COVID a joué sur les activités du musée. Mais le gouvernement malien n'a pas voulu fermer l'institution muséale. Donc, le musée est resté ouvert, malgré tout. Mais on a essayé de respecter les distanciations sociales. Et on a limité le nombre de personnes qui peuvent entrer ensemble au musée. Malgré tout, les visiteurs se faisaient très rares. C'est ainsi que nous avions une exposition sur la chasse qui a commencé le 17 mars
Et le vernissage était présidé par le ministre de la Culture. Malheureusement, le gouvernement ayant pris des mesures de restriction, notre ministre n'a pas pu venir. Cette exposition, que je crois était une très belle exposition, malheureusement n'a pas eu le succès escompté parce que le public n'est pas venu. Donc, en plus de ça, à Bamako, on a un musée où il y a de l'espace. Donc, sur ces espaces, nous procédons souvent à des activités culturelles. Mais comme il était interdit d'avoir plus de 50 personnes sur le même site, donc ces activités n'ont pas pu avoir lieu. Et moi, je dis, le musée, il est bon s'il est vivant. Un musée qui n'a pas de visiteurs, un musée qui ne reçoit pas de monde, à mon avis, est un musée mort. Et donc, ça, c'est ma compréhension. Et moi, je veux qu'il y ait du monde dans mon musée. S'il n'y a pas de monde, ce n'est pas bon. Et avec la pandémie, on ne pouvait pas avoir de monde. Et donc, pas de visiteurs, pas d'activité, pas de recettes. Donc, ce qui fait que la crise a joué un sale tour à tous les professionnels du musée. En plus de ça, financièrement, on a eu des difficultés. Et les personnes qui étaient payées sur le budget du musée national ont été mises en chômage technique parce que nous n'avions pas de moyens pour les payer. Et ça, c'est un problème social qui est venu grâce à la pandémie. Donc, la pandémie, bon, quant aux activités avec le partenariat, M. Koulibaly Baba vient de le dire tout de suite, les activités de recherche archéologique que nous menons en collaboration avec les partenaires, dont l'Institut des sciences humaines, certains programmes n'ont pas pu continuer. Et dans certains cas, les partenaires ont même quitté le Mali pour aller travailler ailleurs. Et donc ça, ce sont des problèmes réels et qui se posent. Mais malgré tout, il y a eu quelques lueurs d'espoir. Ces lueurs d'espoir sont venus de l'ICOM. Le Conseil international des musées, qui, dans notre détresse, nous a tendu la main. Il y a une fondation suisse, Alif, qui nous a donné un peu d'argent pour que nous puissions payer du matériel pour lutter contre la pandémie. Et ICOM aussi nous a aidé à travailler avec les musées locaux et sur les musées privés. Donc, on a eu un financement qui nous a permis de former les responsables de ces musées et aussi de mettre dans ces musées le matériel nécessaire pour la prévention contre la pandémie. Donc, voici un peu ce tableau sombre qui résulte de la pandémie COVID. Nous, on n'a pas fermé, mais quand même, on a vécu des moments très difficiles. Et souvent, on voyait que le musée était trop grand pour nous parce qu'on se sent seul dans un musée. Et là, ça, c'est très triste pour tous ceux qui font de la muséologie. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Keita, for sharing all of that perspective with us. It's truly difficult times. Tim, I wonder if it would be possible to turn the camera on now so we can see people's faces. So the rest of you work primarily in research rather than in public-facing settings. How has the research sponsored by your institutions been affected by the pandemic? Baba Koulibaly, can we start with you? Bien sûr. Sur cette question, il faut dire que bien avant l'arrivée de la COVID-19, alors la recherche était déjà connaissait déjà des difficultés à cause de la crise sécuritaire. Et du coup, la maladie à coronavirus est venue complexifier la situation. Parce qu'à partir de là, il faut reconnaître que, d'une manière générale, le terrain a été quasi impossible. En tant qu'institution de recherche,
c'est le terrain qui avait notre premier laboratoire. Et le terrain a été quasi impossible. Donc, les questions de financement sont restées problématiques dans la mesure où alors, les collaborations sont devenues rares. Même les partenaires qui étaient là se sont retirés depuis la crise sécuritaire et donc ils ne vont pas non plus venir pendant la crise sanitaire. Donc, les financements ont été suspendus et ça nous a amené à suspendre des programmes de recherche qu'on ne pouvait plus mettre en œuvre. Ça nous a amené, la COVID-19 nous a amené également à suspendre nos animations scientifiques parce que nous avons des espaces scientifiques à l'intérieur, à l'interne, c'est des conférences, des séminaires, des exposés, etc. Alors, puisque les regroupements étaient interdits, donc nous avons suspendu toutes ces activités-là. Et comme je l'ai noté, le terrain était impossible, le déplacement impossible, donc nous avons essayé de développer de nouvelles méthodologies de recherche. Donc, à distance, il fallait rester en contact avec le terrain. Par le biais des nouvelles technologies, le téléphone par exemple, par le biais de l'Internet, voilà, dans le cas où c'est possible. Et des recherches ont été effectivement menées, mais à minima, alors par ces nouvelles méthodes, bon, qui produisent effectivement des résultats, mais pas des résultats aussi probants comme si on était sur le terrain. Donc, en gros, c'est vraiment ça le problème. Le retrait, la suspension, le retrait des partenaires, la suspension des financements, la suspension des programmes, la suspension des animations scientifiques. Mais pour ne pas rester les bras croisés, il fallait développer de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes de recherche, de ce qui a valu alors, le développement de la recherche à distance. C'est une nouvelle expérience qui a ses avantages et ses inconvénients en matière de recherche, notamment en sciences sociales. Voilà. Yeah, that's. I think that's true for so many of us right now. Dr. Jagatay, I wonder if you have perspectives on this from the Ahmed Baba Institute that you'd like to share. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui a été durement frappé en réalité, je pouvais dire c'est l'Institut. Depuis la crise de 2012, nous on était à Tombouctou, donc on était obligé de quitter Tombouctou. C'est vrai, nous avons pu amener un bon nombre de manuscrits à Bamako, mais il y a quelques-uns aussi qui sont à Tombouctou. Oui, nous faisons tout pour garder notre existence à Tombouctou, c'est-à-dire nous, moi, je suis en train de gérer deux services, un service à Bamako et un autre à Tombouctou. Donc, le personnel aussi est divisé. Alors, avec la crise du Nord 2012, non seulement on a perdu des manuscrits, plus de 4000 disparus dans la nature, volés, brûlés, aussi les bâtiments qui ont été touchés, l'un des bâtiments était carrément détruit. Avec le COVID-19, aussi c'est un autre problème, parce qu'étant donné que nous dépendons de l'enseignement supérieur, et dès que la maladie a commencé, on a demandé de fermer les écoles, les universités. Alors d'abord, on était obligé de fermer et arrêter carrément l'enseignement. Et travail de manuscrits, étant donné que le travail aussi c'est en groupe, les catalogueurs travaillent en groupe, les numériseurs travaillent en groupe, ceux qui font des boîtes de conservation aussi travaillent en groupe. Donc, on a eu peur qu'il n'y ait pas de contamination. On avait arrêté aussi ces travaux. Et mars jusqu'à septembre, hein? Donc, il y a eu l'impact négatif sur l'Institut. Autre chose, vous savez, l'Institut a 50 ans d'existence. Nous, on avait voulu organiser la commémoration des cinquantenaires de l'Institut à Tombouctou.
L'objectif, c'était pour réunir tous les partenaires, pour les dire merci et pour dire que nous comptons sur vous encore. Malheureusement, beaucoup, beaucoup, ceux qui nous souhaitons qu'ils soient parmi nous, ils n'ont pas pu venir. C'est vrai, nous avons pu organiser quand même les cinquantenaires à Tombouctou, les 14, 15 et 16 janvier dernier. Et dans l'ensemble, c'était bien passé, mais ça serait mieux si les partenaires de l'extérieur étaient présents. Malheureusement, beaucoup, j'ai juste deux qui sont venus, l'un de l'Allemand, l'autre du Niger. Donc, tous les autres, malheureusement, n'ont pas pu se déplacer à cause de COVID-19. Donc, l'Institut a été bien frappé par cette maladie, malheureusement. Merci. Thank you, Dr. Jagate. Dr. Mulai Koulibaly, can we wrap up this part of the conversation with your perspective from the direction of national cultural patrimony? OK, merci beaucoup. Moi, je dirais que la crise sanitaire marquée par la pandémie de la maladie à coronavirus a été une crise de plus pour la Direction nationale du patrimoine culturel. En plus des menaces d'ordre naturel, comme les intempéries, je veux dire la chaleur, le vent, la poussière, qui sont des facteurs naturels qui assaillent, qui constituent des facteurs dégradants du patrimoine culturel au jour le jour. Chaque jour que Dieu fait, ça, c'est des facteurs naturels qui sont là pour contribuer à la dégradation du patrimoine culturel. Vous avez aussi des facteurs d'ordre anthropique, comme par exemple les utilisations inappropriées, comme par exemple la dégradation volontaire sur l'atteinte portée au patrimoine culturel, la pression démographique, je veux dire l'urbanisation, comme par exemple le vol, le pillage, le trafic illicite des biens culturels. Ça, c'est des menaces et dommages que nous connaissons au jour le jour. En plus de cela, nous venons de connaître la crise sanitaire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ça a été une crise de plus pour nous. Le communiqué du Conseil national de la défense du 17 mars 2020 nous a imposé des restrictions concernant les regroupements. Si vous prenez, par exemple, les éléments du patrimoine culturel immatériel, pour ne citer que cela, inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme par exemple l'espace culturel du Yaral et du Dégal, comme par exemple le Sankémo, comme par exemple la danse des masques et marionnettes de Markala, comme par exemple les pratiques et expressions culturelles liées au balafon ou les pratiques et expressions culturelles à la société secrète des Corédoua, ça, c'est des éléments identitaires. Et à cause de la COVID-19, les communautés n'ont pas pu célébrer, si vous voulez, leur dignité, leur identité culturelle. Et ça fait mal. Souvent même, cela a engendré un manque de confiance entre les communautés et l'État. Parce que l'État impose et eux, ils veulent. Donc, souvent, c'est des interprétations diverses. Vous avez aussi l'arrêt des cérémonies comme les pêches collectives, comme le Sankémo. Tout ça, c'est des difficultés que nous vivons aujourd'hui. Si vous prenez aussi certains biens matériels, comme par exemple le patrimoine bâti, où dans certaines localités, le crépissage annuel constitue une célébration, une mobilisation collective, c'est-à-dire le fait d'apporter sa contribution au bien culturel, à la conservation du bien culturel. Toutes ces activités ont été interrompues. Même à Tombouctou, le crépissage annuel des mosquées inscrites sur la liste du patrimoine mondial ne se tient plus.
à Gao, le tombeau des Askers, la même chose. La grande mosquée de Djenné pour le crépissage annuel ne se tient plus. Donc ça, c'est des difficultés liées à la restriction, de la maladie à coronavirus. Ça, c'est des difficultés que nous vivons. Daouda Keïta l'a dit, au-delà du musée national, que ce soit les musées communautaires, les musées régionaux, il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de fréquentation, parce que tout simplement, c'est interdit. Les mesures barrières interdisent les communautés, les visiteurs à aller vers les musées. Ça, c'est des difficultés, c'est des contraintes de gestion des biens culturels. Et cette situation a engendré ce qu'on a appelé la recrudescence du pillage et du trafic illicite des biens culturels. Parce que tout simplement, les communautés qui vivaient ou qui vivent surtout du tourisme où il n'y a plus de touristes, à Djenné, Banyangara, à Gao et même dans d'autres localités, se sont retrouvées dans la paupérisation. Il n'y a pas de ressources. Forcément, les gens se sont tournés vers le pillage, vers le vol et le trafic illicite des biens culturels. Donc ça, c'est des difficultés liées à la maladie à coronavirus. Nous avons aussi, quelqu'un l'a dit parmi nous, des coupes budgétaires. En plus d'État, l'État a coupé nos budgets. Ils ont diminué le budget de la DNPC, la Direction nationale du patrimoine culturel, pour lutter contre la crise au Nord, contre les groupes armés terroristes et maintenant contre la COVID-19. Il y a eu des coupes budgétaires. Le budget qui était d'ailleurs insuffisant, si on en coupe encore, vous voyez que pratiquement les activités seront arrêtées, il n'y a pas assez d'activités. Ça, c'est des difficultés, des contraintes. Parce que tout simplement, les sites et monuments qui étaient visités au Nord, comme vous le savez, sont fermés, hein? Il n'y a plus de visiteurs. Personne ne visite, c'est fermé. C'est pourquoi, en termes de perspective, nous nous sommes dit qu'il y a lieu de développer ce qu'on appelle, par exemple, le tourisme intérieur. Ouvrir les sites et monuments dans les régions du Sud serait une très bonne chose. Et développer le tourisme intérieur. Si les étrangers n'y viennent pas, pourquoi ne pas développer le tourisme à l'intérieur du pays? Que les Maliens eux-mêmes se dirigent vers les sites et monuments pour visiter. Cela peut générer des ressources. Ça, c'est une bonne chose. En termes de perspective également, nous avons initié ce qu'on appelle la consultation à distance. Nous n'avons pas actuellement la possibilité, parce qu'il y a insuffisance des ressources financières, la possibilité de se déplacer vers toutes les régions. Et nous nous sommes dit que ceux qui résident dans ces localités où l'accès est difficile, il faut des enquêtes et nous envoient les résultats de leurs recherches, les résultats de leurs enquêtes. Baba l'a si bien dit. Même si nous-mêmes, on n'est pas sur le terrain pour les appuyer ou pour apporter notre expertise, à travers la consultation à distance, nous avons des résultats, des bribes d'informations, des données venant des autres localités du pays. Donc ça, c'est en termes de perspective, nous avons initié des activités de ce genre. Mais cela ne veut pas dire que tout est arrêté. Et comme vous le savez bien, nous venons de réaliser l'inventaire du patrimoine archéologique dans les régions du Sud, bien sûr avec l'appui du gouvernement américain à travers votre ambassade ici qui nous accueille. Nous avons réalisé l'inventaire du patrimoine archéologique en partenariat avec l'Institut des sciences humaines, en partenariat avec le Musée national et avec l'Université de Bamako. Donc ça veut dire que malgré ces contraintes qui nous empêchent d'être partout, nous avons pu quand même réaliser cet inventaire avec plus de 300 biens inventoriés. Ça, c'est un succès. Et en termes de perspective aussi, la prochaine étape, c'est l'inventaire des biens culturels des régions du Nord, même si c'est par consultation à distance. Ce serait une bonne chose. Donc, aussi récemment, nous avons été appuyés par Alif, mon collègue Daouda Keïta l'a si bien dit. C'est une fondation basée en Suisse. C'est l'Alliance pour la protection des biens culturels dans les zones de conflit qui nous a appuyés, le financement est d'ailleurs en cours, à réhabiliter, à restaurer le tombeau des Askers à Gao. Parce que Gao, c'est dans une zone de conflit et Alif intervient généralement dans les zones de conflit.
pour contribuer à la résilience des communautés, à renforcer la paix, le dialogue des cultures et la cohésion sociale. Donc, ce projet est en cours actuellement à Gao. On ne peut pas aller par véhicule, mais il y a l'avion entre Bamako et Gao. D'ailleurs, il y a une nouvelle compagnie, Sky Mali, qui vient de démarrer ses activités, qui relie Bamako à plusieurs autres localités du pays, que ce soit du sud ou du nord. Donc ça, c'est des bonnes perspectives qui nous permettent d'être sur les lieux, même si on ne part pas par le véhicule. Donc ça, c'est de nouvelles perspectives qui nous permettent d'aller aussi voir les régions. Pas plus tard qu'avant-hier, je viens de quitter la première région administrative du Mali, Kaï, pour faire le diagnostic, pour dépeindre le tableau global des contraintes qui pèsent sur le secteur de la culture. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à l'intérieur du pays. Donc, c'est pour vous dire que malgré les contraintes, malgré la crise sécuritaire, malgré la COVID-19, nous efforçons de nous déplacer pour collecter les informations et actualités des données déjà disponibles. Voici globalement l'état de conservation du patrimoine culturel et l'état aussi de nos activités dans cette crise, que ce soit sécuritaire ou que ce soit sanitaire. Merci. Thank you, Dr. Mulak Bulabali, for segueing into our next topic we're hoping to cover, which is that many, all of you have alluded to in different ways. COVID-19 is certainly not the first challenge faced by the cultural heritage sector. So we wanted to dive a little bit more into how the cultural heritage sector has responded to violent extremism and conflict that's rooted primarily in the north. I know this raises a complex set of challenges, but it's safe to say certainly that the tourism sector has been impacted in really major ways, as well as of course the research that all of you do. So I wondered if we could start with you, Dr. Baba Kulabali. Your work directly concerns resource decentralization, and you've talked already about how COVID-19 has really placed a lot of challenges in terms of finances, but also in terms of the changing your research methodology. I wondered if you could speak to earlier time periods and how extremism in particular has impacted your research and research methods. Thank you. L'extrémisme, comment on aime le dire, l'extrémisme violent a impacté, bien entendu, la recherche scientifique à l'insu des sciences humaines. Comme vous avez noté le cas de la décentralisation, je vais juste donner un exemple dans ce domaine-là. Dans le cadre d'un partenariat interne avec une institution privée de recherche sur la place et le rôle des autorités traditionnelles dans la décentralisation, l'Institut des sciences humaines avait voulu travailler sur deux aires culturelles différentes. La zone de Kolokani au sud et la zone de Douanzan au centre. Pour faire une comparaison, comment est-ce que les autorités traditionnelles ont contribué à la mise en œuvre de la décentralisation? Et nous sommes en 2016 et donc en plein dans la crise sécuritaire, c'est la période où alors les djihadistes, les terroristes ont commencé à migrer, n'est-ce pas, du Grand Nord vers le centre. Et depuis 2012, cette réalité est là. Nous avons tâté le terrain, nous nous sommes renseignés. On a même fait une visite éclair à Mopti, dans le chef-lieu des régions, pour voir la possibilité de réaliser cette étude à Douanzan. C'était impossible, parce que dans notre équipe, il n'y avait pas un ressortissant de Douanzan. On a voulu chercher, on n'en a pas eu. Donc, l'alternative pour nous, c'était quoi? C'était d'abandonner le cercle de Douanzan, donc la zone de Douanzan, et la remplacer par le cercle de Ségou. Donc, cet exemple est vraiment patent pour dire que l'extrémisme, la crise sécuritaire de manière générale, a frappé la recherche à l'Institut des sciences humaines. J'ai noté le cas de l'archéologie aussi, le cas de l'archéologie, parce que Daouda Keïta peut le témoigner.
La zone de prédilection de l'ISH en matière de recherche archéologique, c'était le delta intérieur du Niger, c'était la zone de Gao, etc. Et depuis ces contraintes sécuritaires, et on était obligé d'abandonner ces endroits. Donc la recherche a été stratégiquement réorientée dans le sud afin de pouvoir contribuer au développement du tourisme en lien avec les collectivités du sud, notamment les collectivités du Mandé. Donc, aussi, la crise sécuritaire d'un point de vue financier a fait que, le directeur de la DNPC l'a noté, a fait qu'il y avait un effort de guerre à faire par l'État. Et cet effort de guerre nous a fait perdre un véhicule de terrain. Voilà, c'était notre contribution à l'effort de guerre. Cet effort de guerre également a fait que l'État ne pouvait plus financer la recherche comme il le faisait avant. Donc, les restrictions budgétaires, alors, chaque année, sont là. Donc, je l'ai dit dans ma première intervention, que les partenaires stratégiques de l'aide extérieure se sont retirés. L'État était devenu, alors, quasiment la seule alternative à cause de l'effort de guerre, à cause des dépenses liées à la lutte contre le terrorisme. L'État ne peut plus financer ses activités. Donc, du coup, la recherche est presque à genoux de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas abandonner parce que c'est notre mission. Il faut imaginer des alternatives, des solutions palliatives pour pouvoir exister et pour pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est dans cette perspective que nous essayons de développer le partenariat encore, de mettre les partenaires en confiance et de voir comment on peut faire une collaboration d'une autre nature. Parce que les partenaires étrangers venaient sur le terrain avec nous, mais cette fois-ci, il y a lieu de changer cette stratégie, cette donne-là, et faire en sorte que nous, Maliens, nous pouvons quand même se rendre quelque peu dans quelques endroits pour possible, et que nous faisions le terrain et que les matériaux soient analysés ensemble avec les partenaires à l'étranger. J'ai parlé aussi de l'alternative, la recherche à distance, du développement surtout de l'Internet. Ça apparaît anodin, mais ça a été une des alternatives chez nous. Nous avons essayé d'étendre notre réseau Internet, renforcer la capacité à ces niveaux-là pour pouvoir mieux communiquer avec l'extérieur. Donc, voilà en gros, à travers ces exemples, comment la recherche a été victime, n'est-ce pas, de l'insécurité, de l'extrémisme violent et de la crise sécuritaire de manière générale. Merci. Thank you so much. I wondered, since we've heard a little bit from Dr. Mulai Koulibaly already on how archaeological research contracted and shifted southwards due to conflict, I wondered if we could switch gears a little bit to talk about the museum sector. Dr. Keita, could you talk a little bit about how these pre-COVID disturbances impacted the museum's work? Tout à fait. Comme on l'a dit, ils ont joué négativement sur les musées. Je l'ai dit dans mon exposé qu'il n'y avait plus de visiteurs. Mais malgré tout, on n'a pas fermé les musées. Donc, il a fallu réfléchir pour trouver une alternative. Et l'alternative qu'on a eue et qui est aujourd'hui très répandue, c'est la visite virtuelle. Donc, il a fallu faire des enregistrements des salles d'exposition et mettre ça sur la toile pour que les visiteurs étant chez eux puissent suivre, puissent voir les expositions que nous avons au musée.
Deuxièmement, on a vu que on n'avait plus d'étrangers qui venaient visiter nos musées. Donc, il a fallu imaginer encore une alternative, c'est-à-dire comment faire venir la population locale au musée. Parce que beaucoup de gens pensaient que chez nous, les musées sont faits pour les autres et non pas pour eux-mêmes. Alors que notre rôle, c'est la collecte, la protection et la diffusion du patrimoine. On diffuse le patrimoine pour la communauté locale. Donc, il a fallu trouver des astuces pour que la population locale s'approprie leur musée. C'est ça aussi qui est important. Et d'où la question, est-ce qu'on va continuer à faire le musée comme c'est en Occident? Est-ce que cela doit continuer chez nous? Maintenant, cette idée est posée. Il faut que nous adaptions le musée aux réalités de nos localités. Il faut que nos populations se sentent à l'aise dans nos musées. Il faut que la population vienne spontanément au musée. Et pour ça, il faut trouver des moyens pour les faire venir. Donc, c'est pourquoi on ne se limite plus seulement aux expositions, mais il y a toujours des activités annexées aux expositions, des activités ludiques qui sont annexées aux expositions et qui font que la population vienne pour ces activités et on en profite pour les faire visiter le musée. Et aussi, la crise a permis aussi de savoir que même nous, au musée, nous devons changer maintenant notre méthode. Nous devons avoir un langage approprié, un langage que la population locale peut comprendre. Parce que quand on vient au musée, il faut qu'on puisse expliquer à la population ce qui est exposé. Et aussi montrer que ce qui est exposé est une partie importante de leur patrimoine culturel. Et que cela participe à leur éducation sur le plan culturel. Parce qu'il y avait des idées qui pensent que les musées sont des dépotoirs d'objets anciens et d'objets qui n'ont pas de valeur, alors que c'est le contraire. Donc, il faut travailler de sorte à changer même la mentalité, à faire croire à la population que ce qui est là est l'héritage laissé par nos ancêtres. Que ce qui est là, ce sont des éléments culturels. Ceux qui sont là, ce sont des éléments qui ont participé à la vie de nos ancêtres. Donc, ça participe à notre éducation culturelle, ça participe aussi à la sensibilisation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel. Aussi, mon collègue Moulay Koulibaly l'a dit, les musées sont aussi à l'intérieur. Donc, avec la crise, on voit que ces musées souffrent. Donc, on a mis en place un comité ICOM. Et à l'intérieur de ce comité, nous sommes en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut créer un réseau de musées. Et ce réseau aura pour objectif de s'entraider. Parce que s'il y a une compétence quelque part, que cette compétence soit mise au service de l'ensemble des musées. Et cela peut nous permettre de travailler ensemble, de se soutenir mutuellement et atténuer un peu l'effet de la crise. Et aussi, si ce réseau parvient à voir le jour, pourquoi pas ne pas se changer des objets. On peut amener les objets du musée national à Tombouctou, on peut amener du musée de Tombouctou à Gao, et cela permet la rencontre de communautés. Étant sur place, ces communautés vont se connaître à travers les objets culturels. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ça. La rencontre de communautés à partir des objets. Et le patrimoine culturel, à mon avis, peut jouer un rôle important dans ce domaine. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Thank you, Dr. Keita, and everybody. Dr. Jagate, you've already mentioned how the violent incursions into Timbuktu in 2011-12 had such an extreme effect on manuscript collections and family libraries there. And as you know,
a recent effort to contribute to the protection of these manuscripts has been the addition of Islamic manuscripts to the bilateral agreement between Mali and the United States under the 1970 UNESCO treaty. So I'm wondering if you can share with us what, in your view, are the most important national and international efforts that could be undertaken to protect this important facet of Mali's cultural heritage. And if there's an example from the work you've been doing at the Ahmed Baba Institute that could help us have some insight into how that works. Merci beaucoup. Effectivement, avec la crise, hein, lorsque Tombouctou a été occupé le 1er avril, nous, en réalité, en tant que personnel, chacun a quitté de sa manière. On s'est cherché en réalité. Moi, personnellement, au début, j'ai dit non, pourquoi aller? Je vais juste envoyer ma famille et rester voir. Et après, j'ai dit quoi faire? Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de banque, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que vous faites à Tombouctou encore? Je me suis débrouillé pour sortir, comme les autres. Et l'ex-directeur, Dr Maïga, avec d'autres, ils ont initié quand même une aventure dangereuse, mais quand même qui a un succès extraordinaire. Comment exfiltrer ces manuscrits de Tombouctou à Bamako? Je crois qu'ils ont contacté beaucoup de partenaires qui les ont aidés financièrement. Grâce à ces partenariats, on a pu sauver les manuscrits. En tout cas, l'Institut qui détient environ 40 000, nous avons 24 000 et quelques aujourd'hui à Bamako. Il y a 11 000 qui restent à Tombouctou, ce que j'appelle le manuscrit rescapé. Et lorsque nous sommes venus à Bamako, en réalité, les manuscrits étaient logés dans des boîtes pour les protéger contre la lumière, la poussière, les termites. Pour les faire venir à Bamako, on a laissé les boîtes là-bas, d'abord pour tromper les occupants, parce qu'en voyant les boîtes, ils pensent que les manuscrits sont toujours sur place. Aussi, pour faciliter leur voyage sur Bamako, parce qu'ils étaient mis dans des cantines. Mais avec les boîtes, on ne pouvait pas mettre beaucoup de manuscrits dans les cantines, dans des caisses. Arrivé à Bamako, le premier défi était comment les stocker, parce qu'ils étaient dans de mauvaises conditions. Alors, première des choses, il faut les faire sortir dans ces caisses dans lesquelles ils étaient. Mais vous les faites sortir pour les déposer où? Il n'y avait pas des étagères, il n'y avait pas de boîtes, il n'y avait rien. Et il faut ajouter là où nous étions même, c'était un petit bureau qui ne pouvait même pas nous compter, nous les personnes, là, ne parlons pas des manuscrits. Il fallait chercher des endroits. Quoi qu'il en soit, petit à petit, quand même, on a pu recenser les manuscrits qui sont venus à Bamako. Et grâce aux partenaires, l'UNESCO et les autres, on a pu faire des boîtes, on a pu faire bien sûr aussi des étagères pour loger tous les manuscrits qui sont venus à Bamako dans des boîtes. Et il faut dire aussi, auparavant, pour la numérisation, on sélectionnait les manuscrits parce qu'il y avait problème de stockage. Au début, on avait commencé avec les CD. CD, ça ne pouvait pas contenir beaucoup de manuscrits. Après, DVD, on a dit tout ça, ce n'est pas des solutions pérennes. Ensuite, les disques durs externes. Comme vous savez, à l'époque, à Tombouctou, la chaleur, la poussière, c'était vraiment des ennemis réels contre ces matériels fragiles. Ce qui a fait qu'on a perdu certaines données. Parce qu'arrivé à Bamako, il y avait des CD qu'on n'a pas pu ouvrir. Il y avait même certains disques durs endommagés. Donc, je disais, la numérisation à Tombouctou, on sélectionnait. Parce qu'il y a certains manuscrits qui sont quand même déjà publiés. On a dit non, vu les problèmes de stockage, on va sélectionner, prioriser. Mais arrivé à Bamako, on a dit maintenant, il faut tout numériser.
On a fait vite, vite. On a tout numérisé, mais malheureusement, c'était quoi? Ce n'était pas vraiment la qualité. Pas de high resolution, c'était juste pour avoir un autre support à côté. Et c'est pourquoi nous, lorsque nous avons pris les choses en main, on a dit maintenant, il faut aller mollo-mollo, étant donné que nous avons l'esprit un peu plus tranquille, faire un bon travail, minutieux, comme on dit, très lent, mais quand même très sûr. Donc, on a recommencé la numérisation à zéro. C'est vrai, le problème de stockage reste toujours un défi pour nous, mais quand même, la numérisation continue, les catalogages aussi continuent. Aujourd'hui, parmi les grands défauts que nous avons, parce que nous avons à peu près 40 000, mais juste 15 000 qui sont catalogués, donc les 9 000 seulement qui sont édités, catalogués et édités. Donc les autres ne sont pas édités malheureusement, de telle sorte que les chercheurs qui sont ailleurs peuvent difficilement les consulter parce qu'ils ne sont pas dans toutes les bibliothèques. Et aussi, et autre chose quand même, au début, vraiment, les locaux même étaient trop petits, mais les derniers temps, on a pu avoir de bons locaux quand même pour conserver ce manuscrit. Donc, grosso modo, voici quand même ce que nous avons pu faire. Mais voici, oublié aussi côté recherche, avec, comme disait Dr Baba, en réalité, nous avons eu les mêmes difficultés, restrictions budgétaires et manque de partenaires, parce que, vous savez, à Tombouctou, avec l'insécurité, personne ne va aller. Aussi, malgré tout ça, le peu que nous avons quand même, nous essayons de nous débrouiller, parce que moi, j'ai dit, on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut prioriser les priorités. Ça veut dire quoi? Normalement, aujourd'hui, le manuscrit, moi, j'ai dit, ce n'est pas les objets du musée qu'il faut garder dans les bibliothèques, mais il faut faire sortir les contenus de ces manuscrits pour que chacun puisse en profiter. Nous avons commencé tout récemment quand même à publier, d'abord en arabe. Et nous faisons ce que nous appelons dans les jargons des chercheurs, des manuscrits, l'édition critique, c'est-à-dire comparer plusieurs copies de manuscrits pour mieux authentifier les textes et faire des commentaires et des annotations. Donc, nous avons fait quelques dizaines de publications pendant ces 2 ans-là. Et d'abord, l'objectif quand même, de traduire tout ça, non seulement en français, étant donné que c'est la langue officielle du Mali, l'anglais, aujourd'hui langue internationale, mais aussi les langues nationales pour une large diffusion. Donc, voici ce que nous sommes en train de faire petit à petit, c'est vrai. Nous voulons faire beaucoup plus, mais comme on dit en arabe, si on ne peut pas tout avoir, quand même, on ne doit pas tout aussi laisser. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire selon les moyens qui sont disponibles. Merci. Thank you so much. We wanted to end this discussion with a large conversation, which is taking place and really defined recent conversations on cultural heritage concerns, and that is the repatriation and restitution of African objects from museums in North America as well as Europe. As social justice movements like the Black Lives Matter movement expand all over the globe, these concerns seem to be more pressing than ever. So I wondered if we could have a conversation briefly on the various positions each of you occupy on this issue, as well as your institutions. If we could start with Dr. Mulay Koulibaly and Dr. Keita, your institutions are very closely implicated in this quickly evolving issue. What are your perspectives on restitution and repatriation within your institutions? Thank you. Ok, merci beaucoup pour cette question. Mais avant d'aborder cette question, la Direction nationale du patrimoine culturel est plus ou moins le point focal du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens. Pour compléter un peu Djaghaïti en tant que point focal, je voudrais dire que dans le cadre de la sauvegarde des manuscrits anciens,
l'UNESCO quand même a beaucoup contribué aussi à travers l'ONG Savama. L'ONG Savama, c'est l'ONG pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens, a beaucoup contribué à la sauvegarde de ces manuscrits en termes de renforcement des capacités. Parce que je suis au point focal, j'y participe aussi. Donc, l'UNESCO a beaucoup formé le personnel de la Savama en termes de numérisation, comme il l'a dit, en termes de conservation physique des manuscrits, confection des boîtes et catalogage. Donc, je voudrais aussi quand même souligner la contribution, la bonne contribution ou la forte contribution de l'UNESCO à la sauvegarde et à la valorisation des manuscrits. Et même en termes de réhabilitation des bibliothèques des manuscrits, mais aussi de l'AMINUSMA, c'est la mission des Nations Unies, qui a réhabilité aussi des bibliothèques des manuscrits à Tombouctou. Ça, c'était une parenthèse. Et concernant le retour des biens culturels, alors des pays d'origine, comme on le dit, restitution ou retour, ça dépend pour quel terme, qui veut quel terme. Et déjà, nous, au Mali, ici, mon collègue Daouda Keïta, il le sait, quand Emmanuel Macron a lancé l'appel concernant sa faveur, concernant son intention, en tout cas son adhésion au retour des biens culturels à leur pays d'origine, immédiatement beaucoup de pays africains se sont mis à rédiger les lettres et les envoyer aux partenaires français pour le retour de leurs biens culturels. Mais nous pour voir clair et pour avoir un diagnostic clair et précis, nous avons mis en place au ministère de la Culture un comité d'experts par une décision signée du ministre de la Culture de réflexion et d'identification des objets maliens se trouvant à l'extérieur. Ce comité a été mis en place par décision du ministre de la Culture en 2018. Suite à la mise en place de ce comité d'experts pour de réflexion et de rapatriement des objets, nous avons tenu un atelier avec tous les partenaires pensionnaires, avec toute la partie prenante à la conservation et à la gestion des biens culturels au Mali. C'était aussi en 2018, et plus précisément, du 26 au 28 décembre 2018. Nous avons tenu cet atelier ici à Bamako sur le thème restitution des biens culturels africains, quel objet et quelle stratégie pour le Mali. À travers cet atelier, nous avons diagnostiqué l'ensemble des questions liées au retour des biens culturels, notamment quel bien, quel objet, quelle stratégie adopter, comment se mettre ensemble pour le retour et en cas de retour, où est-ce qu'on va faire le stockage? Comment faire en sorte que les communautés puissent savoir, les populations puissent savoir que ce bien existe? Donc, il y avait assez de problématiques autour de cette question. Est-ce qu'il s'agit d'un retour qui semble couvrir d'autres aspects politiques, etc.? Il y avait tellement de questions liées à ces retours des biens culturels. Donc, avec cet atelier, nous avons posé la problématique et on a même identifié des objets à rapatrier. Vous savez que seulement pour le Quai Branly en France, seulement pour le musée du Quai Branly en France, le Mali détient plus de 6900 objets culturels dans un seul musée en France, sans compter d'autres musées de la France, sans compter les Pays-Bas, sans compter la Belgique, et d'autres pays. Et nous avons avec vous, c'est un projet en cours d'ailleurs, à travers l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici au Mali, le projet sensibilisation à la lutte contre le trafic illicite et l'exposition des biens culturels. Donc nous avons dans le cadre de ce projet le rapatriement des objets. Nous vous remercions infiniment pour cet axe sanitaire qui est inclus dans ce projet. Actuellement, comme vous le savez, ils sont en train de rassembler les objets à rapatrier à New York. Je crois que la majeure partie a été déjà rassemblée. Et dès qu'on finisse avec la collecte des objets à New York, le rapatriement va commencer. Donc, nous vous remercions. Nous remercions votre gouvernement
pour ce geste salutaire et qui contribue à renforcer d'ailleurs la coopération si avantageuse, mutuellement avantageuse entre nos deux pays. Donc, ceci dit encore, nous avons davantage, nous sommes en train de réfléchir encore sur comment, parce qu'il ne s'agit pas de d'écrire seulement pour dire qu'on va faire une tournée, mais il s'agit d'identifier les objets. Nous nous sommes dit qu'il faut un comité restreint qui va identifier d'abord les objets dans différents pays. Sans identifier les objets, on ne peut pas dire qu'il faut rapatrier tel ou tel objet. Il faut les identifier d'abord. Savoir que tel objet existe en France, tel bien culturel existe aux Pays-Bas, etc. Donc, c'est ce qui est en cours actuellement. Ça, c'est les activités sur lesquelles le comité est en train de réfléchir. C'est après cela qu'on peut lever des missions pour aller voir, identifier, et après écrire aux partenaires pour leur demander le rapatriement de ces objets. Donc, c'est une question brûlante aujourd'hui, c'est une question de l'heure qui préoccupe les autorités de ce pays, du Mali, le rapatriement des biens culturels. Nous nous sommes dit que nous avons tracé des sillons, Nous nous sommes dit qu'en cas de rapatriement, que le musée national allait servir d'abord de lieu de stockage. Pourquoi pas? C'est un vaste service qui dispose de beaucoup de locaux en matière de conservation. Et s'il y a lieu d'élargir aussi en construisant d'autres locaux, pourquoi pas? Certains avaient avancé le prétexte que, bon, on va vous retourner les biens culturels, où est-ce que vous allez les stocker? Les conditions, vous n'avez pas les conditions. On a dit non. Je me rappelle que le directeur du patrimoine du Sénégal avait dit à son temps, même si on va les stocker dans les forêts, on va les stocker dans la forêt, c'est notre patrimoine. Bon, ça c'est exagéré. Mais dire que nous ne disposons pas d'infrastructures d'accueil, cela n'est pas d'actualité. Nous avons des infrastructures, nous avons beaucoup de lieux pour stocker ces biens culturels. Nous avons dit également que c'est venu. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des actions de promotion de ces biens culturels. Il faut organiser, mon collègue Daouda est là, il faut organiser des expositions autour de ces biens culturels pour les faire connaître. Des campagnes d'information, de sensibilisation en vue de la connaissance de ces biens culturels. Bien sûr, comme il l'a dit, c'est des objets qui ne sont plus utilisés, qui sont hors d'usage. Mais il faut également faire en sorte qu'on puisse documenter ces objets. Si ce n'est pas documenté en venant, il y a lieu de les documenter pour les faire connaître davantage aux communautés. Donc, tout ça, c'était des problématiques qui se sont posées. Quel type d'objet et quel type de bien culturel? Certains ont même parlé de sépulture. Vous savez que nous avons en Europe la sépulture de certains guerriers. Vous avez en France la sépulture de Cheikh Amala. Est-ce que ces sépultures sont concernées par le rapatriement? Donc, il y avait tant de questions concernant ces patrimoines, même les manuscrits. Nous avons en Europe beaucoup de manuscrits qui ont été exportés en Europe. Est-ce que ces manuscrits sont concernés? Donc, et des problèmes juridiques aussi. Vous savez que dans le code du patrimoine en France, le code de 2000 du patrimoine de la France, il est formellement interdit de faire retourner un bien culturel sans l'avis de l'Assemblée nationale. Il va falloir réviser, relire ces codes du patrimoine de 2000 de la France pour pouvoir nous autoriser à rapatrier ces objets. Donc, on a même l'impression qu'Emmanuel Macron a lancé des paroles comme ça alors que le préalable juridique n'est pas là. C'est un peu difficile. Mais je crois qu'avec mon collègue Daouda, qui a d'ailleurs initié la lettre pour le rapatriement des objets maliens se trouvant en France. Ce n'est pas tous les objets. Peut-être qu'il va en parler un peu. Ce n'est pas tous les objets. Je crois qu'on avait identifié 8 objets en son temps et il a fait la lettre, signée par le ministre, envoyée à travers les affaires étrangères en France. Bon, c'est un début. Mieux vaut avoir petit à petit que d'avoir d'un seul coup. D'ailleurs, d'un seul coup, ce n'est même pas possible. Donc, voici un peu ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du retour des biens culturels. C'est une vraie problématique. Hein. Nous avons tenu des réunions au Bénin, au Togo, sur le plan africain. Et par la suite, il a été admis que chaque pays identifie et envoie ses lettres de retour. Au lieu de faire une lettre commune, c'est ce qui était prévu, mais apparemment, les pays africains n'arrivent pas à trop s'entendre
Et de façon isolée, chaque pays est en train de faire sa lettre de retour adressée à la France, aux Pays-Bas, etc., etc. Donc, au niveau continental, c'est un peu ça. On n'arrive pas à s'entendre sur la stratégie africaine des retours de ces biens culturels. C'est pourquoi, de façon isolée, chaque pays est en train de revendiquer le retour de ses biens culturels. Voici globalement ce que je pouvais dire à ce sujet. Et encore une fois, c'est un thème de l'heure, un thème d'actualité au Mali qui attire l'attention des plus hautes autorités. C'est pourquoi c'est même maintenu dans le plan d'action du ministère de la Culture, c'est maintenu, c'est là-dedans. Le retour des biens culturels. Ça fait partie des activités du plan d'action du ministère de la Culture. Donc, vraiment, c'est une problématique. Même si tout n'est pas identifié, il s'agit de mener ou d'approfondir la réflexion autour du retour. C'est pourquoi, en 2018, on a dit qu'en plus du comité d'experts, qu'il faut un comité restreint pour davantage approfondir la réflexion sur le retour. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas résolues, qui n'ont pas de réponse. Et auxquels il faut trouver des solutions, des réponses appropriées pour le retour des biens culturels pour nous au Mali ici. Donc voici un peu globalement la problématique qui oscille autour du retour des biens culturels au Mali. Merci. Thank you so much. Dr. Keita, did you have anything you wanted to add to that? Oui, effectivement, comme l'a dit Moulay, c'est un problème de l'heure. C'est un problème qui intéresse tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Et tout le monde veut avoir ses biens culturels. Donc moi, je fais la différence entre objets d'art et biens culturels. Parce que pour moi, ce ne sont pas des objets d'art, ce sont des biens culturels. Ces objets ont eu des fonctions ici. Ces objets ont été utilisés dans la société pour certaines choses. Et donc, il ne s'agit pas pour moi d'objet d'art. Et donc, le problème, Moulay l'a dit, je pense que la première chose qu'il faut faire, il faut faire l'inventaire de ces biens culturels. Car je me dis que tout ne peut pas, on n'a pas besoin de tout ici. Parce que j'ai rencontré le docteur adjoint du Quai Branly aux États-Unis. Il m'a dit que parmi les 6900 objets maliens, il y a des pointes, il y a des aiguilles, ça veut dire que cela, je pense qu'on n'a pas besoin de ça ici. Il faut qu'on laisse le temps de faire l'inventaire nous-mêmes et de choisir qu'est-ce que nous voulons en premier qui retourne au Mali. Et ça, c'est parce que c'est nous qui savons la valeur de nos objets. Deuxièmement, il y a aussi un problème qui est réel. C'est que ces 6000 objets ne peuvent pas venir au même moment. Donc, je pense qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces objets nous reviennent. La première des choses, à mon avis, est que la France reconnaît que ces objets nous appartiennent. Et si ça c'est acté, je pense que ça c'est très bon. La reconnaissance par la France que ces objets n'appartiennent pas à la France, mais ça appartient à l'Afrique. Et maintenant, il faut trouver un moyen pour les faire venir. Aussi, je pense que ces objets dans les réserves, ce n'est pas une bonne chose. Là, il a dit. Ces objets, s'ils nous viennent, il faut que nous trouvions un moyen de les exposer, de les montrer aux gens. Et donc, si le principe est que ces objets nous appartiennent, donc on peut signer déjà des accords avec eux pour faire en sorte que certains objets nous viennent et soient exposés, ne serait-ce que temporairement. Et dans ce cas, les gens vont connaître qu'est-ce qui se trouve chez eux qui nous appartient et qu'on ne peut pas voir. Donc, essayer de voir en termes d'exposition, de voir si on peut faire des expositions temporaires ou des expositions à longue durée. Et dans ce cas, on peut aussi parler avec eux du système de prêt. Parce qu'il peut y avoir des prêts à long terme et des objets qu'on a qui nous appartiennent, mais qui sont chez eux. Troisièmement, il y a certains problèmes, comme des objets transfrontaliers.
le cas le plus célèbre, c'est le sable de la Joma. Le sable appartient à la fois au Mali, à la Guinée, au Sénégal. Donc, je pense qu'au lieu de choisir un pays pour le remettre, il devait laisser le temps aux pays africains de discuter entre eux et de savoir comment est-ce qu'ils allaient faire avec ces objets. Tout le monde sait que le sable là a été pris à ses bouts. Aussi, on a des objets qui appartiennent à certaines communautés. Et ces communautés se trouvent entre plusieurs pays. Donc, pourquoi ne pas laisser le temps à ces communautés de discuter entre eux? Et Moulay l'a dit, on peut même créer un musée dans un pays où ces objets vont être exposés. Et ces objets appartiennent à plusieurs pays. Donc, moi, je pense qu'il faut trancher ce problème de façon lucide et ne pas permettre aux autres de penser à notre place et de décider à notre place. Parce qu'ils profitent souvent pour nous diviser. Et en nous divisant, ils auront ce qu'ils veulent. Et cela se passe au détriment des Africains. Donc je pense qu'il faut, il faut réfléchir. Et déjà, la CEDEAO essaye d'avoir une position commune pour faire un front commun sur cette question. Et je pense que ça aussi, c'est une solution qui va permettre aux pays africains, quand on est unis, on est fort. Mais si vous avancez seul, vous n'êtes pas assez puissant face à ces puissances qui sont une machine destructrice. Donc, je pense que ça, ce sont des positions aussi qu'il faut voir. Ensemble, nous essayons de réclamer nos biens culturels d'une seule voix. Trouver localement des moyens de conservation et des moyens de diffusion de ce patrimoine. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Parce que vous voyez que la détention de Macron a été faite il y a longtemps, mais à part les biens culturels qui ont été donnés au Bénin et au Sénégal, on ne voit il y a plus d'effet. Et aussi, quelque chose de très important qu'on ne dit pas assez, la place de la société civile est très importante. Il ne faut pas tout laisser à l'État. Parce que la société civile peut faire pression sur les autorités françaises. Je crois qu'ils sont même capables de faire plus de pression que l'État. Parce que les relations État-État peuvent faire en sorte que certains États ne peuvent pas dire certaines choses. La société civile n'a pas peur de quelque chose. La société civile va dire ce qu'elle pense. Et si vous voyez le Sénégal et le Bénin, c'est que là-bas, les sociétés civiles sont fortes. Les sociétés civiles agissent. Les sociétés civiles font pression. Et ça marche. Mais les États ne peuvent pas faire ces pressions. Et aussi, comme je l'ai dit, les objets, quand ça vient, il a dit Moulay, Dieu merci, aujourd'hui au Musée national du Mali, on a trois nouvelles réserves qui peuvent contenir beaucoup d'objets. Ces réserves sont construites et elles sont disponibles. Mais ce serait pas bon aussi de venir d'aller prendre des objets dans les réserves occidentales et venir les mettre dans les réserves maliennes ou africaines. Ça, je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand ça vient, il faut accepter de les exposer, de les montrer aux gens. Il y a quelque chose aussi qui se passe maintenant que je dois dire. C'est ce que nous appelons le retour volontaire. L'an passé, quand j'étais aux États-Unis, Brooklyn Museum nous a remis 13 bracelets en cuivre du Delta intérieur du Niger datant au moins de 200 avant Jésus-Christ. Donc, ça, c'est quelque chose qui est impeccable. Il n'y a pas eu de bruit, mais c'est quelque chose qui est formidable. Je dis, cet acte va loin des discours. Ça, c'est concret. C'est quelque chose qui se passe entre institutions. Ça, ce n'est pas politique. Et moi, je pense que ça, c'est très fort. Et en plus de ça aussi, il y a un couple de Français qui a remis au Musée national 15 photographies des années 70. Ça, ce sont des dons spontanés qui se passent et qui n'ont rien à voir avec le discours de Macron. Et tout récemment, un antiquaire malien nous a remis
deux statues très importantes. Ça, ce sont des gestes qui sont importants et qui montrent qu'au-delà du discours, au-delà de la politique, le, qu'on appelle ça, le commun des mortels aussi, peut faire don de biens culturels aux différents musées. Parce que les biens culturels ne se trouvent pas seulement dans les musées. Les biens culturels se trouvent aussi dans les collections privées. Les biens culturels se trouvent chez des personnes. Donc, ces personnes aussi peuvent faire la même chose. Et à mon avis, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a commencé, mais c'est une lutte de longue haleine. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à lutter. Et certainement qu'au bout du film, on va avoir des résultats et beaucoup de nos objets vont nous revenir. Mais il faut dépassionner ce débat-là, je pense. Merci. Thank you very much. Excuse me, Amanda. I'm sorry I interrupted you. Yeah, I want to just join Amanda in thanking all of you for opening up these important threads of conversation. And I wish we had more time to discuss each of these issues. I think we could go on for another couple of hours just talking about these issues that have been raised today. So thanks again to all of the participants, Dr. Baba Coulibaly, Dr. Moulay Coulibaly, Dr. Mohamed Jagate, and Dr. Dauda Keita for joining us today. I wanted to just share that for more about Caravans of Gold, please visit the exhibition website or download the exhibition app, which is available in Arabic, English, and French, and can be downloaded right onto your phone. The exhibition is currently at the National Museum of African Art at the Smithsonian, where its run has been extended because of the closures due to COVID-19. If you're in the DC area, please check the Smithsonian's website for up-to-date information about the museum's opening. A companion publication is also available, and as is a teacher's guide in English and French. We look forward to welcoming you back to the African Heritage and Dialogue 2021 series, looking ahead with Caravans of Gold partners next week, when we will continue our conversation with four cultural heritage leaders in Morocco. Thanks again for joining us.